Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl. On se retrouve pour la journée 8 de notre petite SKB5. Donc on va affronter aujourd'hui une équipe de Bretoniens, donc les Princes des Gueux de Lenoil, ou Lenoil, je ne sais pas trop comment ça se dit, j'ai oublié de lui demander. C'est une équipe de Bretoniens assez classique. Il a un tackler qui va nous faire un peu chier, sinon il a un mec avec 8 de mouvement quand même. Du péon, beaucoup de péon. Ça c'est quoi comme compétence? Ça c'est sournois, ok. De la garde, enfin on va être probablement un petit peu en sous-nombre. De notre côté, on a Chobiti qui a pris parade pour aller avec la glissade contrôlée. Je pense que c'est une combo qui peut être assez fun, donc ça lui a fait plaisir, donc on a pris ça. Et Fingers qui a pris une petite garde pour nous rajouter un peu de force. Finalement j'ai repris une 3 quarts. Et donc on a 250k d'inducement. Alors je pense que cette fois on va prendre deux serveuses. On va prendre une relance. Une relance ou un apothicaire. Un apothicaire plutôt. Il me reste 50k. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu mieux? On va virer une serveuse. On va prendre une relance de plus. Je pense qu'on est pas mal. Une serveuse, un apothicaire. Ouais, c'est bien. On a donc deux journalières. Hein, puisqu'on est un petit peu dans le mal, hein, à force d'encaisser des morts. J'ai quand même repris une 3 quarts parce que j'aurais pu économiser pour une nouvelle lanceuse. Mais faut qu'on fasse un petit peu d'XP avec nos persos quand même. Donc... Allez, c'est parti! Prendre le toss. Ok, il gagne le toss. Donc on va voir ce qu'il choisit. Je pense qu'il va prendre l'attaque. Donc j'ai pas pris de sorcier cette fois. J'essaie de répartir un petit peu les... Comment ? Les carottes dans le panier, on va dire, vu que la dernière fois les serveuses m'auraient bien servi. Bon, la dernière fois, cela dit, il a fait le taf, hein, le sorcier, je vais pas dire le contraire. Bon, mon adversaire est assez sympa, on s'est bien, on a bien discuté avant de lancer le match, donc. Je pense qu'il y a moyen, par contre je sais pas, il parle mais il a pas choisi. Je sais pas comment ça se fait, peut-être qu'il est encore sur les cinématiques. Bon, on va attendre un peu, hein, de toute façon. Notre superbe arbitre... Comme ça on a une belle vue sur lui. Ok, alors du coup, il nous laisse la défense comme on pouvait s'y attendre. On va afficher les compétences en speed, donc nos 3 quarts. On va avoir, il va avoir pas trop de difficultés à mettre de la force devant, donc je pense qu'on va abandonner un peu le côté. Mettre les solitaires devant d'ailleurs, ce sera un peu plus... logique, on va dire. Ensuite, on va mettre du 3 quarts là. Du 3 quarts là. Voilà, on n'est pas trop mal. En face, c'est du Bretonien. Il a pas mal de mouvements avec ses blitzers. Mais pas non plus... pas non plus ouf. Donc, et pas beaucoup d'agilité surtout. Donc je pense qu'il va essayer de prendre des blocs. Pour commencer, ici on en a un qui a esquive, son tackler est là, il a pas de châtaigne. Un ramasseur, ça doit être lui pour ramasser et lui pour porter, j'imagine. On n'a pas de tackler non plus, mais ça va, il a une seule esquive, donc ça devrait pas être trop gênant. Il a surtout pas mal de blocs. Bouzeux qui est là pour piétiner. J'aime bien l'équipe de Bretonien.
Je vais masser cette team. Donc voilà, lui pour ramasser probablement avec sa dextérité. Il nous faudra une petite dextérité à nous aussi d'ailleurs. Que de base ils sont quand même très bons hein. Blocage, réception, intrépidité, c'est une compo toujours un peu bizarre mais ils sont sympas les petites sœurs. Allez hop, c'est parti. On est parti et il gagne une relance, ok, comme ça au moins. Non, on est obligé de claquer son calme, il gagne sa petite relance en avant. En même temps il y en avait que deux hein, donc. Alors premier bloc qui ne donne rien, c'est cool. On va prendre un extra, hein, ouais, bien sûr. C'est bon parce que les bloqueurs, ouais, non, ils sont quand même pas. Ils ont une bonne tête avec leurs armures et tout, mais ils sont quand même un peu différents des blitzers. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Bon, on va reprendre des blocs dans la tronche, mais. C'est pas si pire. Il va falloir qu'ils commencent à bloquer avec ceux qui ont pas garde là. Alors il veut blitzer la châtaigne, c'est logique. Non, il est obligé d'exploser un peu. Hein. J'ai mis les deux qui sont derrière là pour couvrir. J'aurais pu mettre celle qui avait de l'XP derrière, c'est pas trop gênant. Bon bah pour l'instant ces blocs veulent pas trop, hein. Ça fait bien plaisir. Ah, il relance ça, ok, un pouf. C'était risqué. Ah, il stat, il poursuit, poursuit pas. Il poursuit. Très très bien. Et du coup, il s'infiltre même. Ok. Pourquoi pas. Il reste pas là pour marquer ma blitzeuse. Il va pas pouvoir s'infiltrer par là parce que ça veut dire qu'elle est quand même prête à lui sauter sur la tronche. Bon, normalement, il devrait pas mal écraser. Hein. Il a du péon pour ça, il a son mec sournois, il a des remplaçants. Je pense que. On devrait assister à un peu le match du piétinement. Puis en plus sur du set d'armure, hein, jusqu'ici on a des adversaires qui piétinaient pas trop, ça va, mais... À un moment faut peut-être y aller quoi. Alors est-ce qu'il va avancer? Avec 8 de mouvement il peut se permettre de rester derrière 2 secondes, hein, je vais pas le rattraper comme ça. C'est pas le genre des bretoniens, voilà, bretoniens ils chargent. Ok, un bloc au péon, cette fois ça passe. Donc là, je pense que c'est. Il va reprendre ses 3 blocs du coup. Ça ne passe pas de nouveau. Cool. On va voir des gens debout, ça fait assez plaisir. On va pouvoir essayer de taper sur son tacleur aussi, ça fait assez plaisir aussi. Bon, au final, on a quand même eu que 2 chutes sur tous les blocs qu'il a fait. C'est pas dégueu. Bon, sachant que les esquives sont des réussites pour nous, c'est quand même pas dégueu. En plus, il a claqué une relance. Là, on a un bloc à 2D. Ah non, il y a une garde, donc on n'a pas un bloc à 2D, malheureusement. Ah, l'agression directe. On a 58% de chance en même temps. Il a pas dû voir que dans mon match d'avant, le mec avec sournois il s'est fait sortir direct. Alors, un petit chaos, ok. Bon bah, tant pis, c'est un solitaire, hein. On s'en fout, on a une serveuse, on fera avec. Donc là, on va avoir un dé sans bloc contre lutte. Comme il dit, c'est un piétinement de politesse, on est bien d'accord. Alors, on va essayer de se débarrasser de ce monsieur.
va se recentrer un peu. Donc ici on a un bloc avec un dé, on pourra pas avoir mieux à moins de rapporter la garde et c'est pas possible. Donc c'est pas très très intéressant, très clairement. On va donc se replacer. Est-ce que je me colle? Non, je vais pas me coller à lui. Voilà. On va se replacer en défense. Ici, on va prendre un blitz contre ce monsieur. Avec la châtaigne sur le tackler. Si on arrive à sortir son tackler dès le début du match, c'est cadeau. On poursuit, mais ça ne donne rien, c'est pas grave. Ici, on va prendre le bloc et un dé. Ok, ça repousse juste. On va poursuivre pour foutre un peu la merde. Et du coup, on libère elle qui va pouvoir se recentrer par là. Peut-être même par ici, histoire d'être un petit peu plus costaud sur ce. Sur ce coin. Et il nous reste elle bah, qui couvre un peu ce côté-là, mais il y a quand même beaucoup de monde sur ce côté-là, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et ici, on va se placer là. Voilà. Ici, avec la glissade contrôlée et la parade, sauf s'il arrive à nous faire tomber, on est quand même plutôt bien. Alors, il a lutte, donc on va tomber tous les deux, mais pas de blessure. C'est pas si mal hein, comme résultat, franchement. On est faible sur ce flanc-là, mais on a moyen de ramener quand même du monde assez facilement, donc c'est pas trop un problème. Et ces gardes sont assez isolés finalement. Pas très très utiles là où elles sont. Ok, le blitz direct là. Sur le 3 quarts. Lutte ou il me repousse. Ah, choix difficile. Choix difficile, choix difficile. Il me repousse, ok, très bien. Je préfère rester debout. Est-ce qu'il poursuit du coup? Non, il poursuit pas. Il va peut-être essayer de faire une cage dans le coin là. Cage assez fragile avec un 3 quarts juste à côté de ma garde, ça peut. Ça peut se passer des trucs. Au moins c'est plaisant, il est agressif. Hein. Il reste pas derrière à glander. Ça fait plaisir. Alors attention hein, aux paysans comme 3 quarts, faut pas oublier qu'avec parade, si je blisse dessus, bah je peux pas le poursuivre. Hein, donc il va essayer de piétiner là probablement. On va peut-être plutôt taper sur le bloqueur. On va voir. Ici, on va voir s'il se relève. 83% de jeu d'agression là. Ah, Prester Jonette est blessé. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain, un point d'armure. Ouais bah c'est un de nos 3 quarts mais elle a 0 XP donc je suis désolé mais on va devoir l'acheter et la racheter après hein. Tant pis. On se connaît hein, on sait qu'on va sûrement avoir des morts, hein, d'autant vu comment il piétine comme un porc. Donc on va essayer de compenser ça. Alors ici une esquive, il a esquive lui? Non il a pas esquive lui. Donc ça peut rater. Ah d'accord, il se relève même pas, il prend le pli de rester dans le coin, pourquoi pas, on est trop loin pour piétiner avec notre solitaire. Ok, on va donc faire un truc comme ça.
On va là avec la garde. Toi, ma chère. Pas de soucis, tu vas là. Donc il nous dit, je suis désolé, mais contre tes Amazones, je peux pas être subtil. Bon, bah écoute. Hein. Hop, on se recentre. Donc il faut qu'on laisse quelqu'un pour l'emmerder un peu, lui, mais on n'est pas obligé de laisser non plus 60 personnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de foutre la glissade contrôlée avec parade. Contact. Voilà, c'est mieux. Ah, une armée de glace. Siropé qui décède. Il utilise son apothicaire. Et qu'est-ce que ça donne? Il rejoint les remplaçants. Voilà, nous non plus, on n'est pas là pour être subtil. Est-ce que je pourrais aller foutre? Ouais, non, il y a un GFI pour aller foutre la solitaire là-bas, ça sert à rien. Donc on va se contenter de poser elle là. Même là d'ailleurs. Et elle ici. On va marquer avec un bloc. Bon, c'est un peu cher de marquer avec un bloc, mais c'est quand même un blitzer en face, hein. C'est un joueur à 110k. Donc on a réussi à mettre une glissade contrôlée au contact, dont il peut avoir du mal à se débarrasser. Ah, ça aurait pu être intéressant de marquer son gars là. Pas mal, hein. Il me bloque tous les chemins pour que je puisse pas rester collé à son mec. De toute façon, je tombe. Donc vu comme ça, on va se contenter de se dégager par là. Hop, voilà. La 17 contrôlée avec parade, hein, qui est quand même très très pratique. Bon là il a Blitz, donc s'il veut se replacer il peut. Hein, mais... Bon, visiblement, il veut pas... Il veut pas bouger ce tour là. C'est avec quoi qui bloque? Ah, c'est avec un mec qui a pas ce qu'il faut. Donc là faut qu'il relance sinon c'est turnover. Il stat. Il relance. Il relance et pot. Bon ça relance, ils partent mais elle proc bien quand même. Hein. Après mes armures résistent pas trop mal pour l'instant, à part les piétinements, il arrive pas à les passer, ça c'est cool. Hein. On bloque lui, on peut pas poursuivre, mais il y a moyen de repousser sa balle de manière peut-être un peu plus. Ah ouais, carrément l'agression à 40% là. Bon, après, c'est vrai qu'avec Sournois, il y a peu de chances de sortir, ça se vaut. Hein. Ok, cette fois ça donne rien. Là, il tente l'esquive. Ça peut rater. Non, ça ne rate pas. Bon, on va peut-être essayer de se débarrasser de son bouseux. Peut-être qu'il fera un peu moins le malin si jamais il est HS. Je vais retenter un blitz sur son tackler. Pour l'instant ici la défense fait le taf, c'est-à-dire qu'elle l'empêche d'avancer. Donc on n'a pas non plus besoin de se précipiter. Ah, ah. Intéressant. Il va faire quoi? Il va mettre son blitzer devant là? Ouais, il a vérifié le mouvement, il s'est dit qu'il n'y avait pas assez. 1, 2, 3, 4. Oh, aussi, largement assez. Largement assez. Ok, donc l'idée c'est que on se relève là. Ici, on va là. Il nous faut une défense dans le coin.
Donc toi, tu vas aller par là. Ouais. J'aimerais bien la mettre là en fait réellement, mais pour l'instant je peux pas. Donc on va se contenter de mettre elle ici. Là, faudrait qu'on se décale là. Qu'elles viennent là. Qu'on blitz ici. Alors, voyons voir l'ordre. Voyons voir l'ordre. Ici, on a un bloc à 2D relativement serein avec bloc, on va le prendre. Ok. Un petit chaos. Donc, déjà, son sournois, on n'en entend plus parler. Ça c'est cool. Elle peut aller jusqu'où? Pas super loin, hein, donc on va pas non plus faire de miracle. Donc il faudrait qu'elle aille ici. On peut pas non plus complètement refermer. Donc on va se mettre là. Déjà, voilà. Là, on va blitz. Avec la châtaigne. Ça tombe pas, c'est pas grave. On poursuit. Ensuite, on peut mettre elle à sa place. On peut mettre elle là. Et là, une petite esquive relançable. Ça passe. Parfait. C'est pas mal, c'est pas mal. On est un petit peu exposé sur ce côté-là. Mais c'est pas dramatique parce qu'il est quand même assez loin avec la balle, quoi. Ok, ça repousse juste, c'est parfait. Il avance, il veut prendre un extra bloc avec son péon peut-être. Ou un blitz. Ah, on dirait qu'il veut essayer de se replacer là. Ok, très bien. Ah, cette fois ça passe. Une armure tient. Tiens, pourquoi il n'y a pas de compte à rebours, hein? L'armure tient. Parfait. Il me repousse dans les pattes de sa garde, hein, c'est un calcul pas déconnant. Donc là, on va commencer à être un peu loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a moyen de se rapprocher de la cage mais pas de rentrer dedans avec celle-là. Donc on va voir où la balle termine. Là mine de rien son mec nous occupe deux joueuses assez importantes. Bon c'est un blitzer mais va falloir qu'on s'en débarrasse à un moment. Ok, la balle vient là. Bloc, ça ne donne rien et il va être obligé de nous décoller un peu. Ce qui est pas trop mal. Ah, il s'est ouvert un chemin là, ouais. C'est pas con. Après il va mettre sa garde derrière mais elle va être un petit peu... Ah non il la met devant. Ouais pourquoi pas. Ça m'empêche d'essayer de forcer trop devant. Ouais. Ici il tente de s'infiltrer. Ah l'esquive qui rate. La relance. Pas la relance. Ok. Très bien, alors du coup, quelles sont nos possibilités? Donc déjà au niveau des mouvements, il va falloir qu'on aille par ici, avec elle, par ici, avec elle. Ensuite, ici on a 2D, après on se relève et on peut avoir 2D sur lui. Là, là. Bon, lui il ira pas loin.
Par contre, si je tape avec elle, je peux pas faire de miracle non plus. Là, j'ai possibilité de taper le pilier de la cage, mais j'irai pas très loin. Ici, on a une esquive à faire, donc il faut qu'on fasse ce bloc. Ou alors, je fais celui-là, et tant pis pour lui. Ça va être compliqué d'arrêter cette attaque, hein. Faut qu'on aille poser elle par là. Et une autre, par exemple celle-là. Ce qui veut dire qu'il faut pas que je tape avec. Elle a pas moyen de façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a moyen d'aller jusque-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ce bloc. Que le suivant ne sera pas intéressant. Au pire, on blitzera là. Voilà, on pousse. C'est suffisant. Parfait, comme ça on peut aller là avec la glissade contrôlée, ce qui est quand même un bon moyen de bloquer le chemin. Et elle va aller ici. Parce qu'au pire, avec la glissade contrôlée, on peut se poser là notre cadavre et du coup il est obligé de passer là. Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On peut blitzer un péon. Ouais. Blitzer un péon avec une mise de paquet. Non, blitzer ça avec une mise de paquet, c'est plus intéressant déjà. Et du coup, on gagne un support pour aller taper sur la cage et mettre un peu la pression. Et on poursuit. Voilà, comme ça on est quand même plutôt costaud. Ça tombe. Donc on peut pas poursuivre, mais c'est pas grave. On lui a mis un cadavre dans les pattes et il est quand même plutôt bien cerné. Bon, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. On a totalement abandonné celui qui est là-bas, mais il peut pas aller très loin pour ce tour-ci. On aura peut-être besoin de retourner le voir le tour d'après, on verra. Ah, le plus logique, c'est d'essayer de blitzer là, d'espérer que je tombe. Ou alors faire une passe là, mais il se retrouve vraiment tout seul hein, s'il fait ça. Il y a une garde au sol là. Ça va lui permettre de taper avec son péon, mais ça va pas être ouf. Au niveau blitz, il a plus que lui comme blitzer. Donc là, blitz en face, est-ce que ça tombe? Ça tombe pas. Il relance, ça tombe. Donc par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va là. Comme ça, il est obligé de passer dans ma zone de tacle. Il peut pas contourner le... Il peut pas contourner. Ça se rapproche hein, le TD, mais il reste combien? Encore 4 tours à tenir, ça va être tendu. Ça va être tendu, mais il y a des trucs possibles. Hein. Là, on va commencer à être en nombre sur sa cage. Par contre, va falloir qu'on aille foutre quelqu'un là-bas parce que ça va être assez facile sinon la passe. Enfin, c'est facile. Enfin, peut-être pas facile, mais jouable quoi. Là, on va pouvoir aller mettre la garde dedans si ça se passe pas trop mal en haut. On va refermer avec lui. Là, il va peut-être tenter un bloc à 2 dés là, on verra. Sans bloc avec un 3 quarts, ça peut mal se passer. Bah, quoi qu'en plus, non, il a un seul dé puisqu'il y a mon support en haut. Ok, très bien. Très très bien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se poser ici avec notre garde comme un gros sac. La solitaire, on va aller la foutre tout de suite par là. Bon, ici, c'est pas dingue, on verra peut-être plus tard. Ici, on a un bloc à 2 dés face à du bloc. Et ça permettrait de mettre éventuellement quelqu'un au contact, donc on va le prendre.
Ok, on repousse. On poursuit. Donc on peut malheureusement pas aller au contact parce qu'il n'est pas tombé. On aurait pu. S'il était tombé, j'aurais pas poursuivi, on aurait pu faire un truc comme ça. Mais malheureusement non. Donc ici on a un seul dé. Si je me relève, on a 2 dés et on a glissade contrôlée, donc on sortira pas, donc on peut le faire. On peut complètement le faire, on va donc le faire. Ah putain, ils veulent pas tomber hein. On va quand même le repousser sur le bord. On va rester pour pas trop affaiblir le truc. On n'a pas blitz encore. On a 2 blitzeuses en haut, ça fait un peu chier. Il nous reste plus que du 3 quarts pour blitzer. On va quand même y aller. Ah, quand même. Hop, on va foutre un petit 3 quarts des familles face à la balle. J'aimerais bien renforcer un peu. Parce que là, si elle est tombe, là il va falloir qu'il blitz si je veux tomber celle-là. Si elle est tombe, de nouveau avec la glissade contrôlée, je peux me placer là ou là et faire barrage. La plus grosse faiblesse, je pense, c'est quand même par là. Donc on va se placer là, peut-être même ici plutôt, pour éviter qu'il reparte et qu'il tente une transmission entre un calacon. Ici, on a un bloc, un des blocs, ça passe. Ah, c'est vrai, la parade, je l'avais oublié, fait chier. Et on peut esquiver pour revenir un peu en force. Après, le problème, c'est que si on esquive, du coup. Allez, un débloque avec châtaigne. Ah, bah putain. Il a lutte, mais c'est pas trop grave. Hop, et on poursuit. Ah, parfait. Un petit chaos sur circonspect. Et du coup on a elle qui sera libre pour éventuellement venir foutre un peu la merde en cas de besoin. Bon, il est un peu fermé là. Il a des possibilités de s'en sortir, je pense. Surtout qu'il a de la garde, mais il est quand même un peu enfermé. On a réussi à mettre KO une de ses gardes et ça c'est très très cool. Ça va enlever un peu de force. Elle, il va difficilement pouvoir la remarquer, ou alors faut vraiment qu'il commite du joueur et ce serait pas très très utile. Je pense. Mais ici il va avoir du mal à avoir 2D. Il va avoir du mal à avoir 2D, on a quand même du bloc un peu partout. S'il veut avancer, faut qu'il fasse des blitz. Ça commence à être pas mal. Je pense pas qu'on pourra contre-attaquer, mais si on arrive à l'empêcher de marquer, déjà on aura fait notre taf sur cette mi-temps. Ok, il essaie de passer par là. Ça se tient, ça passe. C'est pour ça que je me suis mis là, hein, pour l'obliger à faire un grand tour si ça cédait de ce côté. Là, sur une esquive, il peut essayer de faire des trucs. Non, là, il a poursuivi. Il va se mettre là, ok. Donc il a la possibilité d'essayer de se replacer par là s'il tente des esquives. Oh, un dé avec un péon. C'est la tristesse, mais ça passe. Ah, le pion de la mort quoi. Donc il va pouvoir se replacer avec un support, mais on a Grendon qui est libre à l'arrière là. Donc il y a moyen de faire des trucs quand même. Ça c'est un blitzer, hein, ouais. C'est un blitzer donc il le bloque. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est intéressant. Il y va un peu tout seul, mais... Là, il a un bloc et un dé. Je pense qu'il va le prendre, peut-être. Ah, zut. Ça passe. Ça passe, mais on n'est pas dehors, hein, donc ici une esquive qui peut rater, qui rate, c'est parfait, ça, très 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 bien, ça. Ça c'est vraiment parfait, par contre. Ce qui veut dire qu'ici on peut taper là pour libérer elle. Ici on peut avoir 2 dés assez facilement. Elle peut blitzer.
Elle peut aller jusqu'ici avec des esquives. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait beaucoup pour qu'elle aille mettre du support, malheureusement. Ah non, c'est ma garde, donc non, c'est parfait. Faut qu'on la libère, elle. Donc c'est parti, 2 débloque. Oh, c'est chier. Ah, j'aurais dû relancer. J'aurais dû relancer ça. Oh, bon bah, j'ai bien fait de pas relancer puisque celui-là aurait complètement foiré du coup. Donc là, on va poursuivre. Hop. Donc, malheureusement, on va devoir faire une esquive pour aller par là. Donc déjà, on va relever là. Parce que ça oblige à faire des jets. Et tout ce qui oblige à faire des jets, c'est bon à prendre. Ok, une esquive qui passe. Et donc ici, une mise de paquet avec Blitz à 2 dés sur la balle. Et ça passe. On poursuit bien sûr. Ah, la réception qui rate et la balle qui va pas trop mal. Qui franchement va pas trop mal. Donc là on va prendre ce bloc à 2 dés là sur le péon, ça rate, on le laisse coller bien sûr. Ici on est plutôt bien, donc du coup, lui, est-ce que c'est plus intéressant d'aller foutre un peu la merde là-bas, je peux pas aller me rajouter de zone de taxe sur la balle. Il a quoi? Il a un blitzer ici, et c'est que du blitzer là, hein. Donc s'il tape là, il peut pas taper à 2D, il peut pas taper à 2D ici. Non, je pense qu'il vaut mieux que je l'empêche de ramener de la force, donc on va rester là. On va rester collé à lui là. C'est pas perdu, il lui reste 2 tours, mais ça va être quand même un peu plus compliqué. Là il va pas avoir 2D facilement, il va même aucun moyen d'avoir 2D normalement. Sauf s'il commence par un 1D à un moment. Il va devoir tenter des esquives s'il veut réussir à ramasser la balle. Je pense que c'est pas mal là, franchement c'est bien. C'était la bonne action à faire ce blitz. Alors il commence par une esquive. Pour blitzer là. Ouais, pas con, l'esquive passe. Ah, le bloc passe malheureusement. Ah. Ça c'est triste. Ça c'est franchement triste. Parce que du coup là il va pouvoir essayer de ramasser. Il a pas de relance, ça peut rater hein, mais... Ah. Ah ouais, là, 3 bons jeux d'affilée, bon bah voilà. Il récupère un KO, bah c'est le péon, et nous... Bon, la serveuse ne fait pas son taf. On a 2 tours, on peut égaliser en 2 tours, c'est quelque chose d'envisageable. On va voir comment il se place. Ok, visiblement il veut tenter un truc plutôt en mode bœuf. Ah non, c'est pas son péon qui est revenu. Ah, je crois que c'était un péon qui... Je croyais qu'on l'avait mis KO lui. Ah non, on l'avait pas mis KO, je suis con, il était là puis il est revenu dans la partie après. C'est lui qui a marqué. On l'avait pas du tout mis KO, c'est lui qui a marqué. Si on avait pu le mettre KO, il aurait pas marqué. Bon, ça va être compliqué de marquer en 2 tours, mais... On va voir comment il se place au final, il y a des possibilités. Hein. Un truc comme ça avec un blitz, on peut le défoncer. Hein. Si on avance comme une grosse masse... Ah non, ok, il change de stratégie finalement. Ok. Ah, ça c'est plus compliqué, ça c'est beaucoup plus compliqué à passer déjà. En un tour. Il met un peu à l'abri son piétineur. Qui a réussi à survivre.
Ok, alors. La garde est de ce côté-là, donc on va essayer plutôt de foncer par là. On va blitzer avec elle, on va mettre. On va pas taper, je pense, trop sur le centre. C'est pas très très utile. On va ramasser avec Chobiti. On va laisser un trois quarts bidon ici en défense. Donc là, on fout la garde là. Ce qui nous permet de blitzer, d'avancer. Ça serait bien d'avoir un chouïa plus de renfort. On va mettre un peu de monde là. Donc là, on se protège juste d'un blitz. Alors, est-ce qu'on a moyen de prendre quelques blocs quand même? On va foutre la. Ici, ouais, on aurait. Lui, il va nous faire un support négatif. Non, non, on va pas faire de trucs trop trop compliqués, trop trop risqués. On va essayer de d'égaliser sur deux tours si on peut. Ah putain, du blitz quoi. Fait chier. Pour l'instant, les engagements, mes adversaires, ils ont de la chance. Hein. Ça fait deux matchs où l'adversaire gagne les engagements. À la limite, ça aurait été plus sympa s'il s'était placé au fond, quoi. Il va pas pouvoir voler la balle, mais il a quand même moyen de s'infiltrer un peu pour faire chier, quoi. On va voir ce qu'il fait. Ok, ça tombe là. Bon, au moins, il profite pas d'un blitz pour tuer une joueuse, c'est toujours ça de pris. Combien de mouvements? 7. Ah. C'était gourmand ça. Allez, une petite mort pour aider? Non, quand même pas. Ok, donc du coup déjà ici on va se relever. Ensuite, toi tu vas te mettre là. Ici, on peut tenter un blitz par là, comme un sac. On reste. Bah, quoique, on n'a pas vraiment de mouvement, donc non, non, en fait, on reste pas, on va se coller là. On peut s'infiltrer avec un paquet, ouais, pourquoi pas. D'abord, on va se protéger un peu quand même. On va tenter de s'infiltrer avec un paquet. C'est juste un de plus, voilà. Et après, bah, faut essayer de ramasser la balle. Parfait, lui, il peut aller jusqu'où? Pas très très loin. Donc, aller par là. Bon, c'est faible, hein. C'est vraiment très faible. On peut tenter de protéger un peu avec une esquive ici. Ça passe. Là, il peut retenter des paquets pour essayer de venir mettre un contact, mais pas mieux. S'il arrive à faire tomber là, s'il arrive à faire tomber là, il a moyen de se coller. Bon, il va falloir qu'il blisse de toute façon. Sa garde, elle est trop loin. Donc il faudrait qu'il mette du support ici, mais il peut pas. Ouais, c'est pas trop mal. À la rigueur, ce que j'aimerais bien, c'est esquiver ici. Voilà, c'est bien ça. On va même se mettre là. Et on peut même se permettre un bloc à un dé là. Voilà, pour le plaisir. Avec bloc. Voilà, c'est ça qu'on veut. Miséreux et mort. Mes premiers morts, ça se fête quand même. Allez, on va s'arrêter là. Bon, du coup, vu que j'ai pu mettre elle là, elle aurait été mieux une case en plus bas, mais c'est pas trop grave. Avec deux GFI hein, pour marquer, donc ça va pas être. Ça va pas être très difficile de nous en empêcher, hein. Il faut juste qu'ils se mettent devant ou qu'ils s'occupent d'elle.
plus intelligent ça. Allez. Bah ouais ouais on esquive. Ah, il nous repousse d'une case, ça suffit malheureusement. Faut qu'on voit s'il y a moyen de faire des push-push. Il y a peut-être moyen, hein, là, en faisant des trucs genre blitzé comme ça, là. Et il poursuit pas, ok. Il y a un paquet là, ok, très bien. En blitzant là, on peut pousser là, à gagner une case et réussir à faire des trucs. On va voir ça. On va voir comment le tour se termine. C'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Toi tu peux aller jusqu'où? Sur un paquet là, tu peux faire une transmission, ouais. C'est pas encore perdu. On a une relance. Il y a des possibilités. Là, les possibilités vont commencer à se restreindre un peu. Non, non, t'auras pas de dés, hein, c'est mort. Oublie ça. Peut-être en ramenant lui. En ramenant le... Non, même pas, il aura pas de dés. De toute façon. Là, il est en train de se tâter de faire deux paquets, je pense. Ou de faire un bloc et un dé pour essayer de foutre la merde. Mais on a que du bloc partout, on a une garde, ça va être compliqué pour lui. Après, il va blinder, ça me dérange pas. Ça rend pas mon esquive plus difficile au final. Voir plus il y a de monde, plus on peut faire des push-push en fait. En plus, il y a une garde, ce qui rend plus facile le push-push. Parfait, le repousser. Ah merde, il va me sortir. L'enfoiré. Ah, le petit coquin, et vu que du coup il m'a pas poursuivi. Ah, bien joué. Ça c'est bien joué parce que ça pour le coup ça va mettre fin à notre à nos possibilités de marquer. Est-ce qu'il y aurait moyen de repousser là? Il faudrait que... Elle fasse un truc comme ça. Ouais, mais non, parce que du coup, elle pourra plus courir après. Réfléchissons. Il faudrait que j'arrive à avancer celle-là d'une case. C'est chaud, hein, parce que si je la pousse, elle va se retrouver dehors. Hein. C'est sa porte de sortie logique. Faut que je mette quelqu'un là, que je blitz comme ça. Ouais, non, ça va sortir de toute façon. Ouais, non, non, c'est bien joué. C'est bien joué. Je l'ai dans l'os. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, c'est pas grave. On va quand même tenter des trucs. Hein. On n'est pas là pour glander. On reste. Voilà. Ici on tape un dé parce que pourquoi pas, on fail et on refail, bon bah voilà. Ça c'est fait. Dommage, j'aurais bien tenté de poser là pour taper avec la châtaigne, mais...
Donc son mort reste mort, son KO reste KO, mon blessé reste blessé, mon KO revient. Parfait. On est donc pas tant dans le mal que ça, et on va pouvoir attaquer de nouveau. Et prendre un peu plus notre temps cette fois. Il y a un mort et un double skull, plus une sortie. Et ouais. Public doit être en joie. Bon, du coup, on a égalité. Il avait un remplaçant, mais il en a deux dehors, donc on doit être à égalité. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. On est à égalité, hein, tout à fait. Alors, avec qui on va récupérer la balle? Ce serait bien qu'on XP un peu Grendon, donc on va récupérer la balle avec Grendon, je pense. Elle va courir avec. Bon, à terme, c'est Chobiti qui va devenir notre porteuse, hein. Il lui manque une dextérité, et après, elle serait une très très bonne porteuse pour une... comment? Je vais y arriver. Une Amazon, voilà. Ce sera soit ça, soit on lui met une réception et on reprend une lanceuse, on verra. Si, ce qui me fait penser d'ailleurs, j'ai besoin de votre avis, puisqu'il va y avoir la SKB6 après la SKB5. Je sais pas encore trop si je vais y participer parce que cette saison a quand même été vachement difficile, ça m'a pas mal salé. Mais quand même, dites-moi si ça vous dirait que j'y participe. Comme je vais rester dans la fosse, hein, y a aucune chance que je grimpe. Est-ce que vous voulez que je continue de jouer cette équipe d'Amazon, ou est-ce que vous voulez que je reroll une autre race, auquel cas je verrai les rosters disponibles? Continuer de la jouer, pourquoi pas, on a pris assez cher, on a des joueuses qui sont quand même assez expérimentées, c'est toujours ça de prix. Donc pourquoi pas la rejouer, éventuellement. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait de voir... encore un petit peu de nana jaune sur le terrain, et ben pourquoi pas. Je suis con, on va taper avec la châtaigne peut-être. Avec la châtaigne sur un payon, on a quand même des bonnes chances de faire un truc à peu près efficace. Donc là on tape là, alors on va pas pouvoir prendre d'extra bloc, c'est un peu chiant, mais. Ou alors si je tape comme ça. Je tape comme ça, ouais, si, il y a des possibilités. Et donc, Grendon, ramasse, on a oublié personne, c'est bon. Hop. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez voir la SKB6 déjà, ou est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous voulez que je rejoue les Amazones, ou est-ce que vous voulez qu'on se fasse une autre équipe? Oh putain la vache. Bon, on va y aller quand même au cas où il rebondisse pas, mais j'espère qu'il va rebondir dehors parce que cette balle de fou quoi. On va gagner une case un peu partout, on profite. Et on peut aller par là même ici. Allez, voilà, pourquoi pas. Allez, sort balle. Oh putain, ça rebond de la mort. Ok. Allez, c'est parti, ça passe. Un petit sonnet, c'est pas mal. Ici, on va repousser copain. Par là. Et du coup, la petite sonnette ici qui passe, on va l'envoyer dans les pattes des copines, et la châtaigne qui ne passe pas. On pourrait, ouais, j'aurais peut-être pu poursuivre, on pourrait piétiner, mais du coup c'est un peu pourri. Ouais, j'aurais dû poursuivre, ça aurait été quand même un peu plus worth it. Bon bah ici, voilà, 67% de ramassage, si on se foire et qu'elle sort, on est bien dans la merde.
Donc je pense qu'on va commencer par ça. Au moins là, notre moitié de terrain est à peu près protégée. Ok, parfait. On a la balle. On va donc pouvoir passer à la suite. À savoir, la suite, ce serait... Allez, foutre un peu des solitaires dans les pattes des gens. Parce que pourquoi pas. Et aller prendre un petit blitz sur cet enfoiré. Ouais, on va le repousser, comme ça on l'envoie par là, il reste au contact d'elle si jamais il est pas mort. Et c'est une petite commotion pour Bouzeux qui ne reviendra pas cette fois. Et on a un petit niveau en plus, et ça c'est cool. On va aller se coller par là. Et on y va bien agressivement, puisque il nous a bien montré que l'agressivité ça pouvait payer. Alors ce serait bien de l'empêcher de s'infiltrer trop, donc il y a déjà une solitaire dans le coin. On va envoyer un petit peu de renfort à Grendon. Pour éviter qu'il se rapproche trop vraiment, qu'il me cerne trop. Et on va se placer par là. Pour neutraliser un peu son équipe. Voilà, ça c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Une espèce de cage aérienne. Donc comme il dit, tu veux jouer à ça, on va jouer ensemble. Bien, écoute. Voyons ça. Donc là, il va essayer de me surfer, je pense. Ah, bah, je tombe au premier bloc, malheureusement. C'est dommage. On esquive, bien sûr. Il peut toujours se craver. Il a décidé de pas me faire tomber, hein. Il veut me surfer. Il peut se craquer. Il peut aussi pas se craquer. Bon, elle est pas blessée. Il a utilisé ses deux mecs. Ce qui m'arrange. La voie est libre du coup. On va pouvoir aller foutre quelqu'un dans leur dos ou faire un truc sympa dans ce genre là. On a nos star players qui sont là, donc ils sont pas forcément très utiles dans la mêlée en haut, mais s'ils se commitent beaucoup de ce côté là, on a des possibilités. Là, eux ils sont désamorcés pour deux tours, ils iront pas très loin après. Ok, un petit bloc ici avec tacle qui passe malheureusement. Où est-ce qu'il m'envoie? Ici j'imagine. Ouais, ici. Ok, attends, mes armures tiennent bien. Faut avouer que là, ce match-là pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ici il va essayer de me surf pareil. C'était risqué hein, de les mettre là, je voulais vraiment qu'ils commitent ces joueurs de chaque côté. Ce qui de ce point de vue là a marché. Ça veut dire que maintenant qu'ils sont là, et ben, il suffit de mettre... deux copines dans leur dos et ils sont neutralisés pour quelques temps. Alors déjà on va avancer la balle. Donc la balle on pourrait complètement faire une transmission, une passe, courir. Vite c'est là. Se placer par ici. Alors on n'est pas obligé de blitzer ici, on peut complètement taper. Ça passe. On va l'envoyer là et on va coller la garde. Glisser ici avec une petite châtaigne, parce que pourquoi pas. Il a lutte, dommage. On va garder la relance pour l'action l'action d'après. On va venir foutre un peu la merde. Ici.
transmission. On n'est pas là pour s'emmerder. On est là pour le beau jeu. Hop. Alors lui peut aller pas très loin. Eux ils peuvent aller assez loin s'ils devraient me faire tomber. Donc on va aller se foutre par là, voilà. Parce que pourquoi pas. C'est ultra dangereux, on n'est pas du tout serein. C'est le beau jeu, on s'en fout. Là il va probablement pouvoir nous sortir assez facilement. Après s'il tape avec son tacleur, il perd du mouvement. Donc à lui de voir. Sa garde est neutralisée. Soit il tape avec son tacleur pour aller se mettre là, avoir une garde. Esquive. Esquive qui fait plaisir. Il va m'envoyer vers le bas. Mais lui est quand même un peu dans le mal. Et il peut faire des trucs quand même. Il peut quand même faire des trucs. C'était complètement, dangereux hein, ce move, hein, mais j'avais envie de faire un petit truc agile pour une fois qu'elle arrive à jouer la balle. Franchement, ça aurait été con de s'en priver. Et je pense qu'on le fait suer un peu là. C'est ça qui est bien. La lutte, où il relance, la lutte. Donc là, il va pouvoir blitzer la balle, mais il a pas encore de dés. Il va pouvoir amener 2 dés avec celui-là qui a plus de mouvement. Ouais, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Il veut garder quelqu'un pour ramasser la balle, peut-être. Voilà, c'était la petite action. Hein. Faut pas oublier qu'elle a quand même glissade contrôlée et parade, hein, donc elle peut tout à fait s'extraire de la mêlée. Sur un malentendu. Après, il va me blitzer avec le tacle, ce qui est plutôt bien joué. Ou pas me blitzer d'ailleurs. Peut-être qu'il préfère pas me blitzer, je sais pas. Là encore, ça relance. C'est risqué cette mise de paquet, ouais, autant de blitzer comme ça, franchement, je vois pas l'intérêt. En plus, j'ai glissade contrôlée, ça sert à rien, il peut me glisser là où il veut. Ça change pas grand chose. Il relance. Ah, parfait. Ça, c'est très très bien. On va aller par là. Hop. On peut essayer de se replacer, mais il a une esquive. Et ouais. L'esquive rate. Et c'est le turnover. Pourquoi il a pas relancé? Il avait... Ah, il a relancé son bloc, oui, exact. Autant pour moi. Ok, ici, on se relève. Alors, ici, on peut se tirer. Donc... Ouais, ici on est bloqué. Bon après voilà hein. on a échappé belle cette fois, mais on n'est pas non plus sauvé. Lui il peut aller où il veut, ce qui veut dire qu'il faudrait presque que je blitz celui-là en fait. Et je peux pas ramener de soutien suffisant, sauf si je fais une petite esquive. Après, je peux sécuriser, blitzer là, et me replacer un peu plus blindé. Ouais, on va faire ça. On va pas tenter trop la chance. Hop. On a joué un peu, hein, on va pas non plus faire n'importe quoi tout le match. Ça va. Là, faut que tu tombes, mec, par contre. Merci. Va par là.
Parfait, un KO. Je demandais rien de plus. Ensuite, on va là. Toi, un des blocs, c'est quand même compliqué. Pareil, un des blocs contre bloc. Là, c'est un peu fragile là, sur ce côté, donc faudrait qu'on ramène elle. Et toi, bah t'es pas mal là à occuper un peu la foule. Allez, c'est pas si mal. Il y a cette garde là, là qui est un peu chiante, mais bon, tant pis. Pour l'instant, sa défense est assez décousue. On a des possibilités pour partir à droite et à gauche. Donc, on va voir un peu ce que ça donne à la fin de ce tour. Ça repousse, parfait. Qui a fait comme moi. Il faut que je tombe, il relance. Ah, il stat. Non, il repousse. Ma garde est un peu gâchée ici, mais je pouvais pas me permettre de laisser ces deux là libres. Ah, ici ça passe. Ouh, ça passe l'armure, mais c'est juste un sonnet, ça va. Un peu chiant, mais ça va. On peut survivre avec ça. Un 3 quarts va tomber. Une sonnette. Pour l'instant, nos armures ça va. Au final, on va peut-être encore perdre l'inducement parce qu'on n'a pas pris de. On va pas sur de l'apothicaire, on va voir. Ici ça tombe. L'armure passe aussi. Mais c'est une sonnette. Hein, ça nous fout dans la merde. Hein. C'est pas des blessures, mais. Avec 3 joueuses en moins, ça va quand même devenir compliqué ce tour-là, quoi. Très très compliqué même. Ah oui carrément, l'agression l'agression comme ça, ok. C'est qui l'agresse? Celle-là. Une petite expulsion et ça ne donne rien. Parfait, comme ça ça nous fait un mec de moins devant. C'est toujours ça de prix. Ok, alors du coup, ici on a un dé sans rien, c'est pas ouf. On pourrait venir se mettre par là, mais j'ai un paquet. On pourrait venir se mettre par là. Alors, ce que je pourrais faire, c'est taper là à 2D, ensuite blitzer là à 2D, me parer par là. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois plutôt comme ça. Là on a 2D, on y va, ça passe, on poursuit, voilà, moi aussi je peux faire des sonnettes, ici on blitz, à 2D, ça passe, hop, on poursuit, on va se foutre par là-bas. Ici, on va se foutre par là-bas. Et ici... Ah non, ça c'est un peu pourri ça. On esquive, eux ils sont loin, non? Ils ont 7... Lui il a 7 de mouvement quand même. Hein. Donc faut que je fasse attention. Lui il a beaucoup de mouvement. Lui il est un peu dans la merde. Là, il va galérer à amener du support. Par contre, si je libère celui-là, c'est le gardeux, il peut ramener du support. Donc non, je suis désolé, Malice, mais... tu vas devoir assumer ta place de pilier de l'équipe. Ah, j'ai oublié celui-là, mais il est un peu loin quand même. Enfin, il peut amener du support, mais sans plus. Alors, on est en sous-nombre et on est un peu obligé de faire des trucs, hein. J'aurais cru qu'il allait blitzer avec lui par contre. Oh le double crâne. Ça, ça fait toujours plaisir. Lui il est trop loin pour blitzer.
Je vais glisser avec celui-là. Ah, c'est un bloqueur, c'est con, pourquoi? Bon, on va voir, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Ouais, voilà, blitz avec mise de paquet, c'est un peu dommage. T'aurais dû mettre un support là, blitzer là avec bloc. Enfin, il veut peut-être forcer à faire tomber la balle, hein. Blitzer avec lutte, c'est pas déconnant non plus. Parce que s'il fait un 2 au sol, plutôt que rester debout, je tombe. Donc c'est pas déconnant. Bon, après, il peut faire des pots aussi, hein, forcément. On va aller par là. Se rapprocher un peu de l'équipe. Oh putain, ça c'est abusé par contre. Ça c'est abusé. Bon, du coup, ça va devenir un peu plus critique. Elle a bloqué elle? Non, elle a pas bloqué elle. Il a lutte donc il tombe. Ah, mais je crois qu'il n'y avait pas de passage d'armure avec lutte. La description. Les deux joueurs sont mis à terre, on n'effectue pas de jet d'armure, pas de jet de turnover. Ah oui, il a pas utilisé lutte. Putain, l'enfoiré. Ok, très très bien. Où est ma garde? Très loin. Donc elle va commencer à se remettre un peu en défense, la garde. Attends, tous à terre, quoi. Bon, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ramène un support là. Voilà, on va devoir blitzer, ramasser la balle éventuellement. Ah, j'aurais dû me relever avant. Non, ça va. On poursuit. Oui, ramasse. 50% là, un 4. Putain, c'est pas compliqué, un 4. 2 GFI, ouah putain, 2 GFI, allez on tente. Oui, pololo, Chobiti qui remarque un touchdown de la mort. Il garde ses 2 KO, c'est parfait, il va commencer à être vraiment bien en sous-nombre. Ok, défense. Alors cette fois on va foutre les joueuses un peu plus... on va mettre la glissade contrôlée sur le côté. Fuck, non, reviens là toi. 3 quarts. La garde on va la laisser derrière mobile. Allez. Allez, 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 allez. On va essayer d'arracher une victoire, il est bien en sous-nombre et on a quand même possibilité de contre-attaquer. Oula, qu'est-ce que c'est que ce lancer de merde? Ok, une surprise. Ouh, le jet est pas trop mal, mais bon, il va probablement rebondir dehors. On va voir. Bon, il s'est placé pour une attaque sur la gauche. Ah!
Tiens ! Il va pas m'enfoncer si facilement. Alors après on va voir si jamais la balle rebondit pas bien. Oh oui, la petite vengeance du placement. Alors ça c'est une touchée, c'est quoi qui place? C'est un lutte. Cette fois il prend la lutte. Ça ne tombe pas, parfait. Par contre il a libéré sa garde pour aller la faire un peu chier le monde. Tiens, il me repousse par là. Pas plus qu'il me repousser par là pour m'éloigner. Pourquoi pas. Ok, un blitz. Ça ne passe pas. Il va reculer, j'imagine. Il va pas exploser trop son tacleur, je pense. Quand on a un bloc franc sur la garde, bon, sans bloc, mais c'est pas mal déjà. Alors, est-ce qu'il s'infiltre ou est-ce qu'il recule? Il tâte là. Bon, sur un ramassage raté, la balle sort quand même dans beaucoup de cas. Il y a moyen qu'on la rechope. Hein. D'accord, infiltration directe comme ça, là, du mec avec esquive. Très très bien. Circulaire. Circulaire. Bien, tous ces blitzers ont des noms sympas. Allez. Bon, il a dextérité. Il a pas de relance, mais il a dextérité, donc ça va. Toi, tu vas faire quoi? Marquer quelque chose? Non. Ah là, c'est le moment où on écrase la goutte de sueur. Hein. Rater ce ramassage là dans le coin, c'est là-dessus que tu peux perdre un match. Oh oh oh, la chance! C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Alors, on va commencer par marquer celui-là. Hop. On va également foutre un solitaire dans les pattes de circoncis. Parce que pourquoi pas. Où est notre châtaigne? On pourrait blitzer là, mais c'est pas une priorité. On pourrait commencer à s'infiltrer un peu avec Shobiti. On va le faire. Ici, il y a des mises de paquets. Faut qu'on se débarrasse de lui. On va prendre ce bloc. Ah, si t'en repousses, c'est pas grave. On y va quand même. On gagne un petit peu de mouvement normalement. Ouais, pas tant que ça. Ah, il y a elle là, que j'oublie. Qui va peut-être pouvoir venir se poser par là avec sa garde. Là, si on veut passer, on a une esquive, mais on aurait moyen. Je pense qu'on va le faire. Ouais, je pense qu'on va le faire, et d'ailleurs... On va carrément le faire maintenant. Ah, dommage. Ah, parce que là, je pouvais blitzer ici, et du coup avoir des possibilités de m'infiltrer un peu comme un sac. Bon, ça va. Quasiment tout le monde est marqué sauf son tacleur. Donc déjà, il a pas trop de possibilités. Sur l'esquive, on n'a pas fait trop de double 1 dans ce match, donc on va pas s'en plaindre. Pour une fois là, pour le coup, je vais pas cracher dessus, hein, cracher dans la soupe comme on dit.
Allez, tu rates, ça sort et elle atterrit là. Ça serait parfait. Franchement, ce serait parfait. Alors, il veut plutôt aller par là. Ouais, c'est pas facile, hein. Je dois bien lui accorder ça. Là, il est dans une situation qui est quand même un peu compliquée. Il n'y a plus de relance. Sur un jet raté, ça peut très mal se passer. Deux au sol, j'imagine. Ouais. Donc là, il libère un blitzer pour éventuellement tenter une passe et se barrer avec, j'imagine. Ouais, il n'y a plus de zone de tag, donc ils ont réception, hein, dextérité plus réception, ça peut être pas mal. Putain, il a encore dû utiliser dextérité, ça va encore rater. C'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Là, il peut se casser loin. Hein. Bon, on a des joueuses pour le rattraper, mais il peut, si ce n'est se casser loin, au moins nous empêcher de marquer. Allez, passe qui rate, c'est un 50%. Ça peut rater, une mise de paquet. C'était tendu. En même temps, c'est un 2 plus pour gagner un. Ouais, pour gagner un 3 plus, je pense que ça se vaut. Ah, deux mises de paquet, ça devient tendu là. Pour une réception. Ouais, ça passe. Il a quand même dû réutiliser réception. Hein. C'est pas la teuf CG. Hein. Oula. Ah oui, alors là, c'est carrément tendu. Hein. Ce serait beau. Cela dit, ce serait beau. Sans aucune relance quand même avec les zones de tacle. Ce serait abusé, mais ce serait beau. Il y a une réception à 50%, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Alors, on tente une interception. Oh c'est beau! Oh, l'interception à 6 plus de l'amour, quoi! Bon, bah là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller jusqu'où avec elle? Il nous faudrait un pilier. Il nous faudrait un pilier. On peut libérer un pilier là. Ouais, deux mises de paquet, c'est pas ouf. Touf. Après, on a deux tours, hein, on n'est pas non plus ultra pressé. On peut se casser par là, tenter des trucs, se tirer, il pourra pas faire grand chose. Ouais. On va cerner son équipe. Pour être un peu plus serein. Alors, il faut qu'on puisse se tirer par ici, ce qui veut dire qu'il faut qu'on blitz en bas, au pire, on le repousse là. On le repousse là, disais-je. On poursuit. On va tenter les paquets aussi. Parce que pourquoi pas. Large. Alors, c'est pas tout ça, mais on a quand même que deux tours. Hein. Si je vais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas assez. Ah, fuck. Enfin, c'est pas trop grave, mais ça fait un peu chier quand même. Si je fais une passe là, c'est une passe pour économiser un GFI, c'est un peu con, donc on va plutôt bloquer l'équipe. Et puis bah là il va falloir qu'on tente un GFI. On a deux relances, hein. On a deux tours de relance. Un autre, ouais voilà c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on aura un GFI au tour d'après. On peut même tenter un bloc gratuit là, entre guillemets, au solitaire, pour le plaisir. Histoire de d'éliminer un peu... Ok, c'est pas mal, et là, ce bloc
Donc là, si. Non. Si on... si celui-là il rate, on est dans la merde. Donc on va pas le faire. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû aller plutôt dans l'autre sens. Ouais, non, il m'aurait rattrapé de toute façon. Bon, là, il y a quand même de la zone de tacle. Il va devoir faire une esquive, plus une autre esquive. Blitzer un dé. C'est quand même pas facile. On a quand même plutôt bien placé nos joueuses, je pense. Bon bah au final, on a pris un apothicaire, il nous a servi à rien. Bon, voilà. Là il va taper je pense, donc on va pas préjuger, mais un petit pot sur un solitaire. Ça me dérange pas trop. On va perdre la relance qu'on avait payée. On va perdre l'apothicaire qu'on avait payé. Ah, l'esquive qui rate. Bon, on va pas grid. On va essayer d'aller chercher une victoire. Et là, c'est pas le moment de faire un double 1, Grendon. Oui, bien joué, Grendon. Ouh, c'est une victoire, notre première victoire. Enfin, si on enlève les forfaits. C'est beau. Franchement, c'était beau. En défense, bah on va rester en défense. Bon, très belle contre-attaque. Très très belle contre-attaque. Le seul est présent de mon côté qui dit bah oui, là je dois avouer que c'est un peu dur. Hein. L'interception à 6 plus, c'est le truc, tu comptes jamais dessus, mais. C'était chaud quand même. Hein. Et quand il y a eu la cinématique de la passe, j'ai vu ma joueuse qui prenait son élan et tout, je me suis dit non, si interception. Dur. Vraiment dur. Bon, je suis content, j'ai quand même bien réussi mes placements dans ce match. L'attaque était un petit peu. Ah là, hein, c'était pour faire joli, j'avais vraiment pas besoin de me précipiter. Mais je voulais pas jouer le. Vous savez, hein, j'aime pas jouer l'égalisation. Donc, c'était tendu. Ah, moi à sa place, ça c'était le beau jeu hein, de tenter la passe là, mais s'il se barrait de l'autre côté, j'avais elle qui avait une zone d'esquive ici, c'était compliqué quoi. Ah merde, putain, j'avais pas vu. J'avais
pas vu que c'était à moi de valider, putain. Bah oui, c'est moi qui ai marqué, donc forcément. Oh, je comprends le sel, hein. Je peux que compatir. Hein. Deux morts, un blessé, c'est star players qui sont KO. Plus une interception à 6+. Forcément, ça met pas dans l'ambiance, quoi. Mais après. Il me dit que j'ai fait un placement anti-one turn, c'est vrai que j'ai pas trop blindé devant, mais j'ai pas du tout réfléchi à ça. Ouais, dans ce placement je devrais peut-être mettre les blocs devant quand même, à la place des trois quarts pour renforcer un peu. Enfin sinon il blitzerait au milieu aussi. Mieux vaut qu'il blitz au centre et que derrière je peux se mur fermer, qu'il blitz sur un côté et que derrière celles qui sont de l'autre côté galèrent à rattraper. Et pas mal cette défense avec les Amazones, hein. Franchement. Contre une team agile c'est peut-être un peu just. C'est même limite un peu just contre eux parce qu'on voit qu'ils s'infiltrent quand même très bien avec leur set de mouvement. Mais contre une team de force, j'espère m'en souvenir, elle est pas dégueulasse. Il va pouvoir se placer sous la balle avec une réception. Bon bah ça arrive un peu tard malheureusement. Oh, il va pouvoir taper et puis faire une passe peut-être. C'est le piétineur souvent. Bon, il va pas piétiner tour 16, ça donne pas d'XP, je pense pas. Enfin, ou un, ouais, après, solitaire si vous voulez. Ah, la réception qui rate. 2 et 2. Ah, bah ouais, pas de bol. Ah non, 2 et 3, pardon. Pas de chance. Ok, ça repousse. Il perd pas le nord, hein. Il continue de bloquer bien comme il faut, dans le bon sens, avec les bons blocs en premier pour prendre des extras si ça passe pas. C'est bien. Allez, c'est le moment de prendre un peu d'XP. Ah non. Non, décidément, non. Ça veut pas. Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. Mais ouais, les armures, ça veut pas. Hein. Ok, un blitz là. C'est pas sa garde. Ouais, non. Je me disais pourquoi il met pas sa garde. Mais non, non. C'est pas celui. C'est sa garde qui est sélectionnée, mais c'est pas du tout lui qui est là. Oh, c'est fair play, il tape sur les solitaires. Bon, il va taper là aussi. Hein, mais... Ah, une petite blessure sur un solitaire, c'est pas grave. Il a pas fini de bloquer, il nous reste au moins un bloc, donc on va garder. On va essayer de sauver Damny éventuellement. Voilà. On va utiliser la peau pour Damny. Putain, un point d'agilité en plus, la blessure de merde quoi. Oh bordel. Pff. Putain. Bon bah je suis désolé, on va devoir jeter deux joueuses. Dommage, on va devoir jeter Damny et je sais plus qui. Prester, je crois.
Oh, ramassage avec la dextérité? Ah non. Ah ouais, c'est tombé. Bon bah c'est quand même une victoire, franchement ça fait bien plaisir. C'est cool. C'est vraiment cool. On fait un 2, on lance, on fait un. Ah putain. Ah mais c'est jusqu'au bout ce jeu quoi. Bon au moins on gagne un peu de popularité. Bah on n'a pas la thune pour personne, hein. En plus c'est un solitaire qui a le MVP. Bon bah voilà. Comme ça c'est fait. Alors les jets de dés. Plus de 1 et 2 quand même hein, pour lui. Très clairement. Les deux, pff, la vache quoi. Réveil de chaos, blessure. Ouais, ça voulait pas. Il a aucun truc à 100% quoi. Ça voulait pas. Le ramassage, les esquives, c'est le drame. Nous, on est comment? On a fait beaucoup de 2 aussi. Par contre, on a fait clairement plus de 6. Bon, l'interception, voilà quoi. Sortie, bon bah voilà. Réveil de chaos. On avait une serveuse donc c'est pas ouf, mais on en a eu que 2 donc on va pas se plaindre. Les esquives, c'est pas ouf non plus, mais ça va. Bon, par contre, mise de paquet, on a fait 11, elles sont tous passées quoi. Ramassage aussi. La passe, l'inter. Pour une fois, elles ont bien joué la balle, ça fait plaisir, ça change un peu. Dés de blocage, ouais, pas mal de crânes, mais on a aussi fait beaucoup de plaquage, et ça compte pour une réussite hein, contre eux. Et l'autre. Ouais, il a fait quand même pas mal de pots, c'est ce qu'on avait un peu vu, mais. Globalement, les blocs se sont bien passés, c'est les armures qu'on pas pété pour lui, et c'est ça qui a fait mal. Hein. Bon, bah, du coup, on a quelques niveaux et un peu de gestion d'équipe à faire, on va aller voir ça. Alors. On n'a pas trop perdu de. Malgré nos blessés, on n'a pas trop perdu de. D'effectifs. Bon, par contre, on va devoir jeter. Attends, un point d'armure en moins, quoi. C'est pas possible, quoi. Enfin, faut arrêter. Bon, remarque, j'aurais peut-être dû prendre l'agilité, on aurait peut-être pu garder Damny. Ouais. Avec un point d'agilité en moins, elle aurait pas joué la balle, mais elle aurait joué pas la balle de toute façon. Ouais, j'ai peut-être un peu merdé là-dessus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas de quoi les racheter, donc pour l'instant, on va les garder, on verra. Andromeda qui a pris un niveau. Bah, Andromeda, c'est pas un vrai joueur, donc on va voir ce qu'on lui prend. On a déjà pris blocage, arraché le ballon. Une parade, bof. Une poursuite. Une poursuite, ça peut être. C'est quoi? C'est avec le mouvement. Ouais, non, c'est pourri. Une botteuse, ça peut être bien. Vu qu'on a quand même beaucoup de solitaires à mettre devant, ça peut être pratique une botteuse. Frénésie, non. Pro, bof. Dextérité, non, pas sur elle. Joueur vicieux, on n'a pas assez de joueurs pour piétiner, donc c'est pas du tout le thème. Blocage de passe, faut de l'agilité, donc c'est. Ouais, ça pourrait faire, ça pourrait tenter des trucs, mais je pense que ça évite pas les zones de tacle. Hein. Il peut bouger de 3 cases, mais il faut que j'esquive si je suis collé à quelqu'un. Lutte avec blocage, c'est naze. Un petit tacle, on a bloc, un petit tacle ça peut être pas mal. Ouais, on va prendre un tacle, tiens, allez, une tacleuse. Ça peut être bien. Hop. Et Grendon. Grendon. Grendon qui fait un 7. Grendon qui a quoi déjà? Qui a blocage, c'est un 3/4 aussi? Non, c'est une blitzeuse. Son premier niveau? Oui, c'est son premier niveau. C'est son premier niveau. Bah, une botteuse, ça serait pas mal. Écrasement, bof. Garde, ouais, pas top. Bah, sinon, châtaigne, toujours bien, mais. J'hésite. Frappe précise, allez, on va prendre frappe précise. Elle joue quand même plutôt bien la balle, puis ça nous fera une botteuse, c'est quand même bien utile dans cette équipe. Bon, bah voilà, une victoire quand même, ça fait plaisir. J'espère que ce match vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire surtout si vous souhaitez qu'on continue la SKB, si vous souhaitez qu'on continue avec les nanas jaunes ou pas. Je prendrai ma décision sur cette base. Si vous avez des équipes que vous aimeriez me voir jouer, dites-moi, je verrai ce qui est jouable avec les rosters, avec Krug. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.